Bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Dumont, j'ai 53 ans et je suis ici à Louvain-la-Neuve pour vous parler de Love at First Walk. C'est un projet dont j'ai la joie de vous présenter et qui consiste en 4 marches éco-responsables en Brabant wallon. L'objectif en fait, par le biais de la marche, c'est de susciter l'engagement éco-responsable de nos citoyens, de nos concitoyens, par le biais de 4 clés qui seront l'émerveillement, qui seront aussi la réflexion, l'action et puis la prise de décision. Ce sont des marches qui s'adressent à des personnes donc adultes qui s'intéressent justement au sujet de l'éco-responsabilité, qui sont soit avancées dans cette question-là ou qui sont peut-être au tout début de leur questionnement et qui ont envie de faire un pas de plus, puisqu'à la fin, on demandera aux participants, dont moi, parce que j'ai bien aussi l'intention d'avancer dans ce chemin de l'éco-responsabilité, de faire un pas de plus sur ce sujet-là. Ces marches, ce projet, il est destiné aux citoyens qui portent justement la question de l'éco-responsabilité, qui ont envie d'avancer sur cette question. Ça peut être des citoyens, lambda, ça peut être des chefs d'entreprise qui ont déjà intégré cette démarche éco-environnementale dans leur entreprise et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de réfléchir à ce sujet-là et d'avancer sur ce thème-là. Ces marches seront toujours organisées au départ d'un lieu qui est accessible en transport en commun, que ce soit par le train, par le bus. Et de toute manière, on facilitera le covoiturage. Et ce sera des marches en étoile d'environ, au minimum, je dirais, de peut-être 3-4 km et au maximum de 8 km. Chaque marche durera environ une demi-journée, voire une journée, et sera l'occasion, au fil de la marche, notamment de découvrir des lieux éco-innovants, éco-responsables, comme il y en a ici, à Louvain-la-Neuve. Si j'ai eu l'idée de développer, enfin, d'imaginer ce projet, parce que j'aime beaucoup la marche, beaucoup la randonnée. D'abord, d'un point de vue personnel, je suis née dans une ville qui s'appelle Marche, Marche-en-Famenne. La marche aussi a eu un rôle important, je pense, dans la construction de ma personnalité, puisqu'en 1998, j'ai eu la chance de faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Ça a été un temps fondateur pour moi. Et j'aime bien cette citation d'Albert Einstein qui dit que la bicyclette, il faut qu'elle avance pour trouver son équilibre. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup.